effectivement. Bonjour à tous, bienvenue dans cette salle où nous allons faire une conférence sur une table ronde plutôt sur les métiers de la vente. Et bienvenue dans une filière qui recrute, qui a des débouchés et qui continuera à avoir des débouchés. Voilà, c'était un point que je voulais donner en préambule parce que je sais que les parents s'interrogent beaucoup sur les filières avec des débouchés. Des commerciaux, que ce soit face aux clients particuliers ou face aux clients entreprises ou des technico-commerciaux, on en aura toujours besoin. Même si Internet permet de faire des achats en ligne, on aura toujours besoin d'avoir un. Et puis Manuel Pozzini, qui est spécialiste de ce qu'on appelle le B2B, c'est-à-dire la vente aux entreprises. Voilà. Et comme je suis une femme et que mes comparses sont galants, ils m'ont donné la joie de pouvoir commencer. Donc Sophie Laboubé, alors il y a une faute d'orthographe sur mon nom. Je travaille aujourd'hui chez Orange et je suis directeur commercial régional sur la vente que l'on appelle B2C, c'est-à-dire la vente aux particuliers. Et je m'occupe des boutiques Orange, des services téléphoniques, mais également du porte-à-porte, également du online, du web, et de toute la stratégie commerciale sur la zone. Alors, normalement, on surveille le chrono pour laisser le temps aux questions-réponses à la fin. Moi, juste le témoignage que je voudrais apporter, qui est un peu basé sur mon expérience. D'abord, la vente, ça s'apprend, mais on a une appétence à la vente parce qu'on aime les gens. Moi, au départ, j'ai un diplôme d'ingénieur en mathématiques. Donc, a priori, pas trop porté sur le commercial. Et en fait, après avoir fait une carrière en recherche et développement chez Orange et dans les réseaux, je me suis orientée vers le métier de la vente. Je suis passée directeur commercial en B2B dans un premier temps et maintenant en B2C. Pourquoi je dis que c'est un état d'esprit? Je pense que les qualités premières, et si vous souhaitez vous orienter vers la vente, les premières questions qu'il faut vous poser, je m'adresse aux jeunes, pas aux parents, parce que c'est pas drôle, c'est est-ce que j'aime les autres? Est-ce que j'aime les relations avec les autres? Est-ce que je sais écouter les autres? Est-ce que je sais comprendre les autres? Ce que j'aime dire à mes vendeurs souvent, c'est on a deux oreilles et qu'une bouche. Et un commercial, il doit se servir d'abord de ses deux oreilles avant de se servir de sa bouche. On doit d'abord comprendre. Et le temps où on imaginait que les vendeurs, c'était je vends coûte que coûte, même ce dont la personne n'a pas besoin, c'est un temps révolu parce qu'avec l'Internet, avec l'émergence d'Internet, des réseaux sociaux ou autres, quelqu'un qui aura une mauvaise expérience avec un vendeur, ça se fera et le vendeur n'aura plus jamais de clients. Donc l'important, c'est de comprendre le besoin de clients et voir si ce qu'on a lui proposé peut le satisfaire. Et ça, c'est vraiment important. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on n'appelle quasiment plus les conseillers commerciaux, on n'appelle plus les vendeurs, mais on les appelle des conseillers. On rentre dans une vente de conseils. Donc, posez-vous ces questions-là pour savoir si la vente vous attire. Posez-vous la question, est-ce que vous savez négocier avec vos parents l'argent de poche, les sorties, vous savez trouver le bon argument? Bon, si ça, vous savez faire, vous avez probablement une appétence à la vente. Voilà, et je vais passer la parole. Bon, merci à vous. Manuel Périssini, je suis directeur régional des ventes, installation neuve chez Conné, les ascenseurs Conné. Donc c'est une entreprise qui est leader mondial dans le transport des personnes et qui oriente sa stratégie à moyen et long terme vers l'amélioration des flux des personnes. Il ne s'agit pas simplement de transporter des personnes d'un étage à un autre, mais on envisage aussi de travailler sur la mobilité intégrale du déplacement des personnes dans une ville qui devient de plus en plus dense, hein, les campagnes se vident, les tours sont de plus en plus hautes, et surtout le niveau d'exigence des usagers augmente aussi vite que la technologie d'ailleurs. Alors moi je suis également membre d'une association qui compte 3500 membres environ en France, qui s'appelle l'Association des dirigeants commerciaux de France. C'est une association qui a pour objectif de faire la promotion de la vente auprès des jeunes en particulier, et encore plus chez moi, puisque je suis président de la commission école et relations associations au DCF du Rhône. Donc pour moi, c'est important cette responsabilité,
puisque vous êtes jeune, moi j'ai deux enfants aussi qui sont jeunes. Tout à l'heure, je discutais avec des parents des difficultés d'orientation, en particulier avec post-bac, la APB post-bac qui amène des tensions extrêmes chez les parents et peut-être un petit peu aussi chez les jeunes. Mais, voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est que nous, on est là aussi pour faire la promotion de cette fonction commerciale qui est vraiment sans doute un des meilleurs métiers du monde. Et tout ça aussi, on va le prouver. Donc, je peux reprendre un peu mon parcours pour dire comment je suis arrivé à la fonction commerciale. Moi, je suis ingénieur sous formation. Je pense que les murs de la pièce ne sont pas assez larges pour faire toutes les équations que j'ai pu résoudre quand j'étais étudiant. Et au final, je suis aujourd'hui directeur général de l'ENA. Donc, mon parcours, il a été naturellement vers le métier de la fonction commerciale et bien évidemment par la relation avec les hommes, avec les clients. On a tendance à penser que la relation avec les clients tend à disparaître parce qu'aujourd'hui on achète sur Internet, parce qu'on a des outils d'information très rapides avec nos smartphones, avec Google, etc. Moi je pense que depuis quelques années c'est exactement l'inverse qui se fait. Le commercial est avant tout quelqu'un qui va offrir une solution qui convient au client, au bon prix, dans les meilleures conditions financières et économiques possibles et dans le délai attendu par le client. Il y a un engagement très très fort qui en nous, les DCF font une étude très forte hein, sur la relation commerciale. On ne vend pas n'importe quoi, n'importe comment, on se le refuse. On souhaite respecter notre client et le satisfaire. Alors, ce qui a changé ces dernières années à mes yeux au niveau de la relation commerciale, c'est le niveau d'exigence de nos clients, d'où cette relation humaine renforcée. Les appels d'offres en B2B, essentiellement par mail, avec une grille à remplir, sans déjeuner avec le fournisseur, parce qu'on n'a pas le droit de le recevoir, etc. C'est un monde qui existe encore un petit peu, mais qui est aujourd'hui plutôt en train de disparaître, à mon avis, qui existe encore, parce que les outils existent, les outils de consultation existent. Mais à ça, il faut ajouter notre capacité à donner envie aux clients à travailler avec nous. Cette capacité repose essentiellement sur des compétences multiples attendues chez les commerciaux. Les compétences multiples, c'est savoir chiffrer correctement, utiliser un outil de gestion de la relation client performant, de renseigner comme il faut, savoir ce que c'est qu'une clause juridique contraignante pour l'entreprise, savoir ce que c'est des conditions de paiement acceptables par l'entreprise, les deux parties, les deux côtés. Voilà, donc moi je vous invite à rejoindre la fonction commerciale parce que c'est sans doute le plus beau métier du monde. En tout cas, c'est celui sans doute qui nous offre le plus d'ouverture vers une multitude de segments, de domaines d'activité. Donc, je fais la parole à vous. Bonjour à tous. Donc, je me présente, je m'appelle Alban Bulliot, mais je vais vous témoigner au travers de deux casquettes. La première, celle de mon emploi actuel, parce que je suis business développeur corp dans un groupe qui s'appelle Digiactive, alors qui n'est pas un aussi grand groupe que connaît Orange. Nous, on fait à peu près 80 millions, on est 500 collaborateurs, on est une société d'initiative, on est éditeur et intégrateur de software. C'est la première casquette avec laquelle je vous parlais, puis l'autre qui est, comme Manuel, la casquette des DCF, puisque je suis secrétaire général adjoint de cette association au niveau national, et notamment j'accompagne les 80 associations en France à développer les jeunes, à faire en sorte que les jeunes commerciaux nous rejoignent dans cette association. Pour rebondir sur ce qu'a dit Sophie en introduction, il faut savoir qu'il y a plus de 100 000 postes par an de commerciaux qui ne sont pas pourvus. C'est-à-dire qu'il y a plus d'offres d'emploi aujourd'hui que de demandes dans cette fonction. Et c'est pour ça qu'on est présent aussi aujourd'hui et qu'on a cette chance de promouvoir la fonction commerciale. C'est que c'est une branche dans laquelle il y a énormément d'opportunités d'emploi, il y a énormément d'opportunités d'évolution de carrière. Et à partir du moment où une entreprise se développe et grandit, elle prend des forces de vente avec elle et elle grandit sur ses métiers. Donc il faut le savoir, c'est des métiers aujourd'hui qui n'ont pas forcément tout le temps la chance d'avoir des talents en face et c'est important que vous puissiez le savoir pour nous rejoindre dans ces deux fonctions. Du côté professionnel, moi je voulais juste vous témoigner un peu de mon parcours parce que j'ai démarré dans un métier qui n'était pas du tout l'avance. J'ai démarré en faisant un BTS de conception de produits industriels. C'était pas vieux puisque c'était de 2006 à 2008, pardon. Donc j'étais dans un environnement très technique, concepteur projeteur en bureau d'études, dans un grand groupe chez Schneider Electric. Et en fait, je me suis aperçu, en faisant mes études en alternance,
que le contact que j'avais avec les professionnels me plaisait énormément, que j'adorais les réunions, j'adorais faire du management de projet, mais qu'au final, rester derrière mon bureau à faire des plans en 3D et à concevoir les produits, ce n'était pas ce qui me passionnait au quotidien. Et c'est quand même grâce à un BTS comme ça et à un passage en alternance, je veux vraiment souligner l'intérêt et l'importance de l'alternance, que ça m'a permis de partir sur un Master 2 en Management Gestion Marketing pour deux raisons. La première, par rapport à cette première expérience professionnelle qui m'a permis de trouver une voie qui était différente de celle de la technique et des métiers industriels. Et la deuxième, parce que j'étais au contact de professionnels qui avaient arrêté leurs études en BTS, qui revenaient à leurs études par du cours du soir et qui me poussaient énormément, alors qu'ils voulaient absolument arrêter à la fin de mon BTS pour gagner ma vie et prendre mon indépendance. Ils me poussaient énormément à continuer mes études. Donc je suis parti dans un Master 2 sur Lyon de 2008 à 2011, donc c'est pas si vieux que ça. Et là, j'ai découvert les métiers du marketing, les métiers de la vente, les métiers de la finance, les métiers des ressources humaines. Donc, j'ai découvert plein de choses passionnantes. Et en fait, les trois années de Master 2 passaient à une vitesse phénoménale. Je suis passé pendant un an chez Adeco sur un peu de chargé de recrutement. Et puis, j'ai eu l'opportunité, sur la fin de mes études, vu que j'avais cette compétence technique avec mon BTS, de pouvoir prendre un poste de technico-commercial. Donc, c'est-à-dire mettre ma compétence technique et ma passion de la relation sociale, de la relation humaine, de la négociation et de la vente au service d'un seul et même métier qui m'animait au quotidien dans cette entreprise. Donc c'est ce que j'ai fait sur mes deux dernières années d'études et qui m'a amené même en grandissant à rentrer dans le réseau des DCF et là à rencontrer plein de dirigeants, des directeurs commerciaux qui me faisaient grandir, qui me faisaient mûrir. Qui m'apportaient du retour d'expérience sur ce qu'ils vivaient dans leurs entreprises, qui m'apportaient de nouvelles idées pour mieux gérer mon quotidien et ma fonction professionnelle. Et tout ça m'a donné en fait plein de rêves, plein de passions, plein d'envie grâce au métier du commerce. Et ça m'a permis en 2013 de monter une start-up que j'ai lancée, qui s'appelait à l'époque, parce que je l'ai arrêtée il y a un an, qui s'appelait My Company, sur lequel j'avais lancé un objet connecté, une plateforme d'innovation collaborative, un demi-million d'euros à l'époque pendant cette start-up sur Lyon. Donc une expérience entrepreneuriale géniale, pour au final, grâce à cette expérience, grâce au réseau, me faire connaître par plein de patrons sur Lyon et avoir l'opportunité de me rapprocher d'un groupe lyonnais, de rentrer chez eux sur des missions complètement différentes que ce que j'avais pu imaginer à la base. Puisque mon métier de business développeur aujourd'hui, c'est de créer des partenariats, de détecter des nouveaux marchés de rupture et des nouvelles offres sur lesquelles je peux emmener la croissance de mon groupe. Donc je ne suis pas du tout dans un métier comme vous pourriez peut-être le caricaturer à la Jean-Claude Contenant, au porte-à-porte, à vendre un produit ou autre. Il n'y a pas que ça dans le métier de la vente, il y a énormément de missions différentes dans le métier de la vente. Moi je suis vraiment sur une mission très atypique qui est comment une entreprise peut nouer des liens avec d'autres entreprises pour faire de la croissance, pour aller plus loin, pour créer de l'innovation, pour créer des nouvelles offres tous les trois pourront faire dans le B2B, dans le B2C sur des métiers techniques ou sur du partenariat et autres. Au final, on est tous à un moment donné unis par un lien qui est la vente, le commerce, le fait d'avoir de la relation sociale dans notre métier, le fait d'avoir de la négociation. Je pense que c'est quelque chose qui nous anime aussi au quotidien. Donc, il faut vraiment avoir conscience que les métiers de la vente, il y a quand même énormément de possibilités différentes, énormément de choses différentes. Et que ça s'accompagne aussi, ça a été le cas pour nous, et je vous invite à découvrir tous les réseaux professionnels comme les dirigeants commerciaux de France qui entourent ces métiers. Parce que ça permet vraiment d'avoir la chance, comme moi, quand j'avais 20 ans, 21 ans à l'époque, de pouvoir discuter avec plein de grands directeurs commerciaux, des dirigeants d'entreprise, de mûrir un projet professionnel, de se créer des opportunités aussi. Vous verrez que si vous connaissez plein de patrons et de directeurs commerciaux dans votre entourage, ce sera vachement simple de trouver un job, en tout cas beaucoup plus simple. Donc voilà, c'est le petit témoignage que je voulais vous partager sur cette fonction commerciale qui nous est.
Donc, comme vous, vous l'avez vu, diversité dans les métiers, même si le thème central, c'est la vente, diversité dans les métiers de la vente. Une autre chance aussi, diversité dans les formations, puisque y a des BTS, notamment des BTS en alternance, et moi, je pousse énormément pour ceux qui souhaitent faire du BTS, qui veulent le faire en alternance. Chez Orange, on recrute 1000 alternants chaque année en alternance. Et ensuite, quand on a un poste qui est ouvert et qu'on a un alternant qui est en fin d'études, on recrute. Alors, on recrutera pas les 6000 alternants, vous vous doutez bien. Mais par contre, cette personne qui aura fait son alternance chez nous aura une plus forte probabilité d'être recrutée. Donc, BTS, en tout cas chez Orange, BTS, multi-management des unités commerciales sur les boutiques en réseau physique, BTS MRC, négociation en relation commerciale pour les services par téléphone, possibilité après un BTS à ma droite, c'est ce qui s'est passé, de poursuivre des études longues. Souvent dans le B2B, on recrute plutôt des commerciaux qui ont un bac plus 4, bac plus 5, voilà. On parle souvent des écoles de commerce aussi. Les écoles de commerce ouvrent effectivement un panorama plus large que les domaines que de la vente. Il y a de la finance, il y a du RH, il y a plein d'autres choses, du marketing, de la communication. Voilà, je voulais juste revenir par rapport à ce que je disais au début. Sur le fait que la vente était un métier dont on avait besoin. Il y a une semaine, tout juste une semaine, j'écoutais la radio et il parlait de la fameuse APB, admission post-bac, qui était un casse-tête pour les parents. Et il y a eu une remarque assez intéressante. Et le journaliste disait qu'en fait, les métiers de la vente aujourd'hui étaient boudés un peu par les jeunes qui trouvaient ça pas très glamour, pas très fun, et qui s'orientaient tous vers la communication et l'événementiel. Et qu'en fait, la communication, l'événementiel, ça fait rêver, mais ça fait beaucoup rêver parce que derrière, les débouchés, il n'y en a pas tant que ça. Et comme tout le monde veut faire ce métier-là, on a un espèce de goulot d'étranglement, alors que les métiers de la vente, qui je vous jure, vécu de l'intérieur, sont finalement aussi glamour et aussi fun, on en témoigne, sont que l'avantage, c'est que ceux-là, on l'a dit, vous aurez des débouchés, que ce soit après un BTS ou que ce soit après des études. Je connais, moi je suis également les alternants, donc c'est une excellente filière, l'objectif c'est une mission de conserver. On les forme, les alternants, on les traite vraiment comme des salariés avec une mission. Et au bout de deux ans, je connais, on les prend plutôt passer à un master 2, au bout de deux ans, l'objectif c'est de les envoyer au meilleur endroit possible sur leur mobilité géographique. Et bien sûr, démarrer directement par le terrain, par l'opérationnel. C'est la meilleure information possible. Alors, je reviens quand même sur les caractéristiques du vendeur. Parce que, moi, je ne suis pas né vendeur. J'ai toujours le super vendeur, il est quand même très très rare. On a plutôt des bons vendeurs, des gens qui ont les compétences des vendeurs. Et ces compétences, on va les construire. Bien sûr, il y en a certaines qui sont en nous, qu'on va développer aussi. Mais alors, les compétences qu'on attend, c'est vraiment la proximité avec le client, quoi qu'on dise, c'est super important, que ce soit dans le B2C, B2B, toujours. Et après, bien sûr, il y a les fondamentaux, les bases. C'est-à-dire qu'on va aussi vous demander d'appliquer les techniques de vente. Donc là, il y a des efforts à fournir. C'est ce qu'on apprend à l'école, ou en stage, ou sur le terrain. Donc ça prend de l'apprentissage. Et avec une bonne technique, on est un peu meilleur que les concurrents. Alors, je rappelle au passage quand même que les concurrents ils font la même chose que nous, c'est-à-dire qu'ils forment aussi leurs commerciaux, ils prennent aussi des alternants et ils connaissent très bien notre gamme, aussi bien que nous on connaît la leur. Donc la différence elle reste fort sur le petit plus qui est, moi je suis un peu plus calé sur les négociations. Parce que là on parle de la vente, mais la négociation pour moi c'est après la vente. Et là on négocie quand le client est prêt à acheter. Donc on a déjà passé tout l'argumentaire. Voilà, tous les bénéfices non attendus, l'entonnoir, je vais en formulation, enfin tout ça. La négociation, c'est bon, c'est pas donné à tout le monde non plus, donc ça prend. Il y a des écoles qui forment la négociation, il y a des challenges aussi dans les écoles qui sont organisées, d'ailleurs auxquelles participent en appui les dirigeants commerciaux de France. Et puis il y a aussi un peu de juridique, c'est-à-dire que c'est pas plus mal de savoir quand même ce qui est acceptable dans un contrat. Quand on signe un marché, moi je suis sur des marchés assez élevés, qui peuvent dépasser le million d'euros. Quand on a un marché qui fait la taille de la table, bon, il faut quand même s'assurer le commercial qui le signe, même avec un pouvoir,
détecte d'éventuelles anomalies préjudiciales à l'entreprise qui doit exécuter le marché. Voilà. Il y a aussi l'attitude, j'insiste, à l'attitude, pour moi, c'est même un sujet sur lequel doivent travailler aujourd'hui les écoles. C'est-à-dire qu'il faut qu'à la sortie d'une école, les étudiants soient presque opérationnels en termes de capacité à s'installer devant un client, lui dire bonjour, le respecter, lui parler la pluie du beau temps, bien comprendre bien sûr son besoin, se mettre à son niveau. Et ça, c'est pas facile parce que les clients, il n'y en a pas un identique. Hein, ils sont tous différents, donc beaucoup d'empathie. Mais à un moment donné, il faut aussi sortir gagnant-gagnant l'échange, hein, même plutôt gagnant chez nous. Parce que la mission quand même du commercial, et là on n'a pas dit, mais c'est quand même de ramener des euros. Hein. Donc il y a un objectif à atteindre, donc il faut être aussi un peu challenger, hein, il faut être péché. Hein. Tous les ans, c'est un peu difficile. Hein. On finit son année le 31 décembre, le 1er janvier, ça y est, on part à zéro. Hein, et on oublie ce qui s'est passé l'année dernière. Donc, beaucoup, beaucoup de préparation. De l'expérience, on parle d'alternance, des stages, même des petits jobs à côté pendant l'été et tout ça. Et après, l'entreprise vous aidera à développer vos compétences commerciales si on en a besoin absolument. Oui, c'est important cette histoire de ce que soulève Manuel aussi sur l'objectif, parce que c'est ce qui dynamise aussi énormément de métiers. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui peuvent faire un métier assez redondant ou similaire, mais d'avant c'est tous les jours différents, on a tous les jours des gens différents en face de nous, on a chaque année des objectifs différents, chaque année on a nos clients chouchous qu'on a depuis des années, et puis il faut aller chercher des newbies, donc il faut aller en trouver des nouveaux. Donc la richesse du métier passe aussi par la richesse de sa diversité. Je reviens sur deux choses qui m'ont été dites avant, sur ce qu'a dit Manuel, sur la relation du commercial avec les clients. Le commercial, le vendeur, je ne sais pas quel nom vous voulez lui donner, c'est la première vitrine de l'entreprise. Donc c'est quelqu'un qui est exceptionnellement clé dans l'entreprise, puisque c'est la première personne qui va donner l'image de l'entreprise, d'où l'importance d'avoir des gens qui sachent bien se tenir, qui sachent bien parler, qui va présenter l'entreprise, présenter l'offre de l'entreprise, etc. Donc c'est une mission qui est très forte et importante. Puisque vous êtes la première image que va découvrir un acheteur, un dirigeant de l'entreprise avec qui il va peut-être travailler demain ou avec qui il travaille déjà. La deuxième chose, c'est on parlait des secteurs d'activité, du marketing, de l'événementiel. Sachez qu'une entreprise aujourd'hui, pour qu'elle grandisse, il faut qu'elle fasse de la croissance, qu'elle fasse de la croissance rentable, et pour faire de la croissance, il faut qu'elle vende. Donc, quel que soit le secteur d'activité, il y aura toujours des vendeurs. Moi, je suis dans une entreprise aujourd'hui qui fait l'édition et l'intégration de logiciels. Je peux vous dire que les 6 derniers mois que j'ai passés, c'est à organiser un énorme congrès qui s'est passé à Lyon la semaine dernière. J'ai fait de l'événementiel pendant 6 mois à chercher des partenariats, à réunir 1300 patrons sur Lyon. Et pourtant, je suis dans le métier de la vente. Donc, quel que soit le secteur d'activité dans lequel qu'il peut y avoir, le métier de la vente, ça sera toujours un métier central qui pourra venir apporter du soutien à de l'événementiel, à du marketing, puisque c'est le vendeur qui est en relation avec les clients et qui va pouvoir permettre de donner à l'entreprise aussi un retour sur le marché. Mes clients sont aujourd'hui contents ou pas contents de nos solutions, ils veulent plus d'innovation ou ils veulent des nouveautés. C'est vraiment une fonction clé qui va pouvoir permettre aussi à l'entreprise de grandir en donnant de la matière sur ce qui se passe auprès des clients, en communiquant énormément avec les services internes sur le marketing, sur la finance, pour toute la gestion de la comptabilité, de la facturation des clients et autres. Le secteur d'activité, si vous êtes passionné aujourd'hui par le luxe, par la cosmétique, par le sport, par les véhicules automobiles, par l'industrie, par le numérique, dans chacun de ces secteurs d'activité, dans chacune de ces branches, vous aurez des vendeurs, vous aurez des commerciaux, et on en aura toujours besoin. Donc, c'est un métier très diversifié, dans lequel, je pense, chacun peut trouver son épanouissement dans un secteur d'activité qui lui correspond par rapport à une passion ou par rapport à des envies qu'il peut avoir dans sa vie professionnelle. Alors, souvent, on nous pose la question de savoir si le métier de commerciaux, parce qu'on l'a dit, hein, c'est souvent drivé par des objectifs, même si les objectifs aujourd'hui, en tout cas sur le monde résidentiel, sur le monde grand public, tentent à évoluer. C'est-à-dire qu'avant,
les commerciaux avaient plutôt des volumes de ventes à faire. On est de plus en plus aujourd'hui sur la satisfaction client, parce qu'en fait, le client, en tout cas sur B2B, peut venir en boutique, chercher un conseil, repartir chez lui, aller sur le site marchand du magasin dans lequel il est allé, et commander par le web. Ce n'est pas le vendeur qui aura fait la vente. Mais le client n'aurait pas rencontré le vendeur, il n'aurait jamais acheté sur le web. Donc, ce changement de mode de consommation fait que les objectifs qu'on avait précédemment, qui étaient, en tout cas sur le B2C, des objectifs qui étaient des objectifs extrêmement quantitatifs, deviennent des objectifs de plus en plus qualitatifs. Cependant, on reste, le métier du commercial reste drivé par des objectifs. Donc, un peu joueur, faut vouloir atteindre et dépasser ses objectifs. Généralement, quand on nous les donne en début de période, trimestre, mois, suivant le rythme, chez des commerciaux en B2C, c'est souvent au mois. Généralement, on dit, c'est pas possible, on va jamais y arriver. Donc, un bon commercial commence par vous dire, bon, c'est pas grave, on va tenter le coup et je vais jouer. Donc, il faut être un peu joueur, il faut être un peu challenger. Il faut être résistant au stress, parce que pour le coup, à l'inverse, dans le B2B, où généralement les cycles sont un peu plus longs, quand on est deux jours avant la fin du trimestre et que le client il nous avait promis une réponse et que celle-là, elle n'arrive pas, et que si on n'a pas la réponse positive et qu'on n'a pas signé ce jour-là, on a un peu planté son trimestre, il faut être un peu résistant au stress. Donc oui, il y a une partie un peu stressante. Cependant, je trouve que ça fait partie des métiers les plus valorisants où quand on s'est un peu défoncé pour gagner une affaire, on a transpiré, on a cherché comment faire, quelle technique, quelle tactique pour être tacticien, quelle tactique on peut utiliser, quel argument, comment ça s'est passé. C'est quand même des métiers qui, quand on arrive à concrétiser une vente, que ce soit en B2B ou en B2C, un peu difficile, engendre un très haut niveau de satisfaction quand même. Alors moi, je joue complètement Sophie sur la partie qualitative dans les bonus, parce que chez moi, il y a une grosse partie qualitative. Bien sûr, il y a le chiffre d'affaires, parce que c'est ça qui nous rémunère quand même, le salaire même de nos clients, il faut bien alimenter nos usines, nos sociétés en commande. Je reviens sur l'aspect valorisation. Le commercial, il perd, on va dire, 3 affaires sur 4. C'est variable selon les métiers. Donc, il faut aussi faire une bonne tenue à la défaite. Mais la victoire est tellement belle. Donc, c'est ça qui compense, en fait. Quand on gagne, on est très, très content. Voilà, tout le monde est content. Donc, c'est toujours un bon moment. La clôture de l'exercice, donc, j'ai fini le 31 décembre. Bon, je suis stressé de nature, donc j'ai une forte capacité au stress aussi. Mais voilà, je finis quand même le 31 décembre, ça existe. Ce n'est pas pour ça que c'est dit, je suis épuisé. Non, au contraire, je suis reparti et je sais que je l'ai fait. Donc, ça y est, j'ai confiance. J'espère que mon équipe aussi est repartie plein pot. Mais voilà, on est dedans. Ça fait partie de notre vie. Je reviens aussi sur les évolutions derrière. Parce que ça, c'est notre quotidien. Vous avez des parcours variés. Donc, après, c'est votre destin. Hein, c'est votre destinée. Vous allez là où c'est mieux pour vous. Mais au final, quand on regarde un peu les évolutions de poste, des commerciaux dans les entreprises en général, c'est plutôt pas mal, quoi. Ce sont des gens qui évoluent assez vite vers les postes de manager et qui ont une certaine culture générale, un certain niveau de multi-compétences qui fait qu'on peut les retrouver assez vite à des niveaux de postes de dirigeants. Et même si ce n'est pas financier, il y a beaucoup de dirigeants aujourd'hui qui sont issus du monde des finances, mais il y en a énormément aussi qui viennent du monde de la vente. Je pense qu'il y en a peut-être de moins en moins qui viennent d'autres métiers d'entreprise. Aujourd'hui, démarrer dans un bureau d'études, vous avez du mal à vous projeter dans 30 ans comme dirigeant d'entreprise, à moins que cette société n'ait pas de commerciaux, par exemple. Ça peut arriver. Mais il y aura toujours un commercial qui ira sans doute très vite dans l'entreprise. Voilà, donc c'est très valorisé. Les commerciaux, je pense qu'ils gagnent bien leur vie. Le salaire médian commercial est plutôt pas mal du tout. Il y a pas mal d'avantages aussi en nature, il y a des véhicules qui sont fournis par les entreprises, PC portable, téléphone, etc. Il y a une partie variable qui peut être très élevée. Ça c'est une question d'entreprise aussi. Hein. Ça dépend de la culture de l'entreprise. Le bonus variable peut être plafonné. Ça veut dire que nous, on va plutôt jouer dans la durée des commerciaux. Si par contre on a affaire avec plutôt des mercenaires de la vente, hein, c'est une qualité aussi, hein, c'en est une autre.
on va déterminer les bonus, et puis là, ben, ce sont des gens qui vont fonctionner au bonus, donc ils vont aller chercher une multitude de commandes très très vite, et c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Donc c'est le mode de pensée à intégrer ou pas dans l'entreprise selon la stratégie à moyen, court terme de l'entreprise. Voilà, donc c'est des postes vraiment à fort potentiel d'évolution. On est entendu dans les entreprises. Je pense que c'est important de le dire, quand un commercial, un directeur des ventes part dans l'entreprise, il a quand même un certain pouvoir. Hein, parce qu'il est en contact direct avec les clients, puis c'est ce qui se passe. Très, très opérationnel. Hein, on n'est pas fait sur mon bureau, en fait. Hein. Et on entend ce que disent nos clients. Et on s'est donc adapté aux exigences de nos clients. Peut-être pour finir, la place de question, c'est vrai que, comme le dit Manuel, je pense que c'est important de signer quand on est jeune, on a aussi des plein d'ambitions de gagner sa vie, mais les métiers du commerce sont des métiers où on gagne quand même très bien sa vie, où on a la capacité de pouvoir chercher des bonus, comme le dit Manuel, et c'est forcément très gratifiant aussi pour le travail qu'on y donne. C'est des métiers où on est très autonome, et je pense que quelqu'un qui aime avoir de la liberté, qui aime avoir un peu d'indépendance, c'est des métiers qui peuvent très bien les combiner, parce qu'on peut être très régulièrement, on peut passer la semaine sur la route, aller voir des clients, dormir dans différents hôtels en France, à bouger en véhicule, etc. Donc il faut aimer aussi des fois cette indépendance, mais cette autonomie, voilà ou pas, mais cette autonomie est parfois aussi un vrai luxe dans une entreprise de pouvoir avoir ça. Moi, je conclurais juste sur des questions qui m'ont été posées au stand qu'on a en bas autour du commerce à l'international. C'est peut-être le cas de certains d'entre vous dans la salle. Alors moi, ce n'est pas forcément trop mon cas, donc je ne pourrais pas vous apporter énormément de réponses. Peut-être plus Sophie et Emmanuel, mais je rejoins ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'une entreprise qui, n'importe quel secteur d'activité qui s'exporte et qui se développe, elle a plein de vendeurs à l'international. Donc ça demande forcément des compétences en langue diverses, à minima l'anglais, mais potentiellement aussi au moins l'espagnol et d'autres langues. Mais c'est très riche aussi en termes d'évolution de carrière. Il y a beaucoup de gens que je connais qui sont dans le métier de la vente aujourd'hui qui ont été amenés à évoluer dans leur carrière et maintenant à faire de la vente de partout en Europe et dans le monde entier. Et du coup, à avoir un métier extrêmement riche en termes de culture, d'échange, de vie sociale, de voyage, de rencontres, qui n'est pas forcément le cas de tout autre métier. Donc voilà, ce volet international est aussi accessible, bien évidemment, dans les domaines de la vente, avec potentiellement des branches un peu, ou des formations un peu spécifiques dans le commerce international et une certaine maîtrise des langues. Je veux juste ajouter, moi, je ne suis pas dans l'international parce que je vends dans un périmètre géographique qui est nôtre. Par contre, je suis dans un groupe international finlandais qui vit depuis un siècle, qui compte 45 000 personnes environ, 7 000 assets de chiffre d'affaires. Le groupe, il ne va pas construire des processus particuliers pour la France, processus franco-français. On est complètement intégré dans ce monde international d'un grand groupe. Donc, quand je travaille le matin, il y a mon collègue des États-Unis ou d'Espagne qui a les mêmes méthodes que moi, les mêmes outils, la même démarche commerciale, les mêmes produits. Après, les adaptations, hein, ça, c'est nous qui les faisons. Mais tout le reste, c'est très, très international, même si au quotidien, on n'est pas en train de parler anglais entre nous. Hein. Ça, c'est très, très enrichissant. Mon premier poste, hein, je suis entré comme responsable d'un petit bureau d'études, mais dans une très grosse entreprise, un leader mondial de la filtration pour moteur diesel, une boîte américaine. Moi, j'y suis rentré parce qu'elle était américaine, c'était à Quimper. Le poste, franchement, ce n'était pas mon truc. J'y suis resté 2 ans, j'ai accompli ma mission, je suis parti parce que je me suis un petit peu ennuyé pour la mission. Par contre, démarrer sa carrière avec une entreprise comme celle-là, ça m'a été vraiment d'un soutien énorme. Ça m'a permis d'aller encore plus vite derrière. Donc il y a aussi des choix à faire en termes d'entreprise, pas simplement le poste. Vous êtes jeune, il faut quelquefois savoir sacrifier un peu de son temps à un endroit donné, à un instant donné, pour pouvoir évoluer mieux derrière. Voir faire sa première expérience à l'étranger. Pour terminer, je vous en prie. On est ouvert, vous pouvez nous poser des questions. Alors, pour nous poser des questions, parce qu'on est quand même dans une salle du conseil, c'est un peu... Appuyez sur le petit bouton rouge que vous avez devant votre micro. Nous vous écoutons. Éventuellement, désignez la personne qui vous pose la question, si vous savez. La première est la plus dure. Ou alors, c'est qu'on a été parfait. Ça doit être ça.
principalement dans la salle partition. Tout est clair. Tout à l'heure, c'était pas si clair que ça en bas. Hein. Franchement, il y a vraiment de vrais questionnements sur où aller, comment, est-ce que mes enfants sont faits pour ça, est-ce qu'on est fait pour ça, c'est quoi les différences entre les formations. Est-ce que vous avez quelques réponses à ça? Justement, au niveau des formations, est-ce que vous pouvez un petit peu expliquer les différents types de formations pour ce métier de l'avant entre les BTS, les Bac plus 2, d'autres cursus plus longs dès le démarrage, vers quoi vous les orienteriez un petit peu avec votre expérience? Une filière courte à l'origine, mais un Bac plus 2 pour voir déjà qui découvre, puis s'orienter sur, voir un petit peu, parce que comme c'est varié la vente, on peut aller sur l'international, on peut aller sur le juridique, on peut aller sur des notions de contraste complètement différentes. Un petit peu, quels sont un petit peu les qu'est-ce qu'on peut leur conseiller à ces jeunes pour qu'ils soient un petit peu perdus? Vous mettez de la vente, c'est très vaste. Quelles études, ou quelle différence un petit peu entre les formations pour ne pas éviter qu'ils se plantent, je dirais peut-être dans les cursus longs, dès l'origine, et puis après qu'ils aient une porte fermée. Alors, je vais faire une première tentative de réponse, et puis mes deux collègues compléteront. La difficulté, c'est de donner un conseil à une salle aussi nombreuse, et le conseil il va forcément s'adapter aux jeunes. Pourquoi? Parce que y a des jeunes qui vont avoir d'abord le niveau pour entrer dans une classe préparatoire pour préparer une école de commerce, donc il y a déjà une question de niveau. Il y a une question de mentalité, est-ce qu'on est fait pour faire une classe prépa? Une classe prépa, c'est beaucoup de travail, c'est une certaine mentalité, c'est un esprit de compétition. Donc est-ce qu'on a cette mentalité-là pour le faire? Ça, c'est une vraie question à se poser. Parce que si on rentre dans une classe prépa qu'on n'a pas cette mentalité et qu'on fait deux ans pour rien, c'est un peu dommage. Donc ça, c'est aussi une vraie question à se poser. Est-ce que moi, en tant que jeune, j'ai envie de rentrer dans le monde du travail? Il y en a qui diront oui. Et dans ce cas-là, l'alternance est vraiment un plus. Parce que l'alternance, ça permet vraiment de découvrir l'entreprise. Ça permet aussi de commencer à se faire une expérience professionnelle qu'on peut valoriser après. Et d'ailleurs, on voit bien, avant les études longues, il n'y avait pas d'alternance. Et maintenant, on a du Master 1, Master 2 en alternance. Sauf que, lui, il est tout jeune, mais moi, à mon époque, l'alternance, c'était en gros, tu ne peux pas faire d'études longues, mon fils, tu feras de l'alternance. Aujourd'hui, on n'en est pas du tout là. L'alternance, c'est une vraie chance. C'est vraiment plébiscité par les recruteurs. Donc voilà. Par contre, l'alternance, c'est aussi pour un jeune la capacité à se dire du lundi au vendredi, je bosse dans une entreprise, mais je dois quand même faire des devoirs le soir, je dois quand même continuer ma scolarité et je suis capable de jongler entre les deux. Donc ça nécessite aussi le fait de vouloir faire ça. Après, la question sur les DUT, peuvent être une passerelle. Pour passer après sur une école de commerce, par exemple, si on n'a pas pu rentrer par la classe prépa. Voilà, ça peut être un palliatif. DUT, par contre, DUT en alternance, je ne sais pas si ça existe, donc ça, moi, je ne saurais pas me... voilà. Et puis après, sur la filière commerciale, on a juste un gros souci, c'est qu'on a un nombre incommensurable d'écoles de commerce, où généralement, les parents sont complètement noyés. D'abord, elles coûtent toutes plus cher les unes que les autres. Elles sont toutes, on ne sait plus où donner de la tête. Elles ont toutes des M, des S, généralement, et des G dans leur nom. Voilà, à peu près. Et c'est un vrai casse-tête pour les parents. Moi, le seul conseil que je voudrais vous donner en tant que recruteur, y a des écoles qui sont très connues. Généralement, c'est celle qu'on peut avoir, soit sur des concours communs après une école, après une classe prépa, ou quelques-unes qui recrutent sur un concours commun, qui passent des SDS ou autre, celles-là sont à peu près connues. Et clairement, il y a quand même des écoles de commerce qui sont moins connues, et du coup, sur un CV, en tant que recruteur, on se pose quand même pas mal de questions. Donc faites attention, si vous voulez faire une école de commerce, le choix de votre école de commerce, parce que c'est un peu la jungle, privilégiez, si votre enfant a un niveau, privilégiez celles qui sont naturellement plus connues,
les IEM, les EREC, les CEL, bien sûr, on connaît bien celle-là. Et puis, regardez aussi la possibilité de faire une partie à l'international, parce que ça, c'est intéressant de pouvoir faire une partie à l'international. Et puis, au niveau du tarif, bah, les plus connus ne sont pas toujours les plus chers. Voilà. Juste, voilà. Et pour tous les parents dont les enfants voudraient faire une école de commerce, commencer à économiser des matières. Bon courage. Voilà. Oui, en effet, l'école de commerce, ça coûte cher. L'école ingénieur, ça coûte un. Donc, là, ça coûte très cher, mais après, il y a l'alternance qui ne coûte pas. Le jeune gagne sa vie. Alors, ce n'est pas une fortune. On peut vivre correctement, on peut avoir son logement. Et donc, être en entreprise et continuer une formation intéressante. Je veux juste dire que donc chez Télé, on prend bien sûr des alternants, donc c'est vraiment. Je vois qu'on en parle continuellement à la télévision en disant l'apprentissage en France, machin. Mais on y est, quoi. Les entreprises en ont vraiment besoin et c'est un très très bon mode d'intégration dans l'entreprise et de formation. Je reviens sur les écoles de commerce. Alors vraiment, il y a de tout, mais comme dans tout, hein, c'est comme ingénieur, c'est pareil aussi. Simplement, sachez que moi, en tant que membre d'ECF, je suis en relation avec plusieurs écoles de la région lyonnaise et de Lyon. Qui sont en train de bâtir justement des outils qui permettent aux jeunes d'être encore plus efficaces dans leur entrée dans le monde de l'entreprise, dans le domaine de la vente. Donc il s'agit par exemple de journées de compétition sur la vente. Il s'agit aussi nous, en tant que DCF, on participe aussi à des jurys qui donnent des diplômes aux étudiants. C'est-à-dire que nous, on valide aussi ce qu'on attend en entreprise de ces diplômes. Donc, on est là en appui. Et puis, sachez qu'au DCF, on est aussi organisateur d'un concours qui s'appelle le Concours national de la commercialisation, qui a rassemblé 9000 candidats l'année dernière, qui aura lieu cette année à l'INSEC le 10 mars, qui rassemble 180 candidats de Lyon pour le moment. J'espère qu'il y en aura plus. Mais c'est aussi un moyen pour l'étudiant de s'évaluer et de participer pendant sa scolarité, donc ça se fait réserver au bac plus 2 jusqu'à plus 5, de participer à une vraie compétition. Alors, ce n'est pas le bac, hein, parce que là, on est vraiment dans un vrai sujet d'entreprise qui est apporté cette année par un partenaire qui est Intermarché. Et ce concours, il va permettre à des jeunes de se découvrir peut-être et de participer à un vrai projet commercial. Enfin, c'est écrit, hein. Mais je crois que c'est le seul moment, à côté, bien sûr, de la scolarité normale, les travaux dirigés, etc. Mais c'est vraiment, on est en appui. Et je pense que beaucoup d'écoles s'ouvrent à ce monde de l'entreprise via ces soutiens qu'on peut apporter, nous, à notre quotidien. Alors, j'ai vu, voilà, une petite main qui s'est levée. On vous écoute. Juste une question, on vous a répondu, monsieur. Merci. Bonjour, j'aurais voulu avoir vos conseils sur le cursus à suivre pour un enfant, pour un jeune qui sort de troisième, pour en particulier la vente en automobile. Ben, le troisième, moi j'en avais, hein, les enfants de troisième, c'est pas simple. Hein. C'est difficile après c'est selon les enfants, on parlait un peu de la scolarité, est-ce qu'on les envoie dans une scolarité longue ou pas. C'est vrai qu'on se pose la question, il faut vraiment s'adapter à l'enfant, je pense. C'est-à-dire que quelqu'un qui est passé par un prépa, il n'ira pas en prépa, ça ne se passera pas forcément bien. Quoi. Moi, je pense que si on a un doute sur ce qu'il y a derrière, le cycle court est intéressant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut très bien suivre une filière type ES, par exemple, parce qu'on trouve beaucoup de gens qui ont fait ES dans la fonction commerciale, en tout cas, c'est moi. ES, aujourd'hui, pour moi, j'ai plus de ES que d'ES qui viennent à moi. Excusez-moi, je vous coupe parce que vous me parlez un peu chinois. Là. Oui, ah, c'est vrai. Oui. En fait, bon, est-ce qu'il existe d'autres possibilités? Alors, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des CAP? Est-ce qu'on est obligé de passer par un bac? C'est la question. Alors là, on n'est pas des spécialistes d'éducation. Par contre, il y a des experts ici qui sont à côté. Il y a sans doute des CAP, des choses comme ça qui existent peut-être. J'ai une réponse à vous apporter parce que je viens de taper sur Google, il y a un bac pro vente qui existe. Un bac pro, c'est sûr, il y a une chose. Bac pro, c'est certain. Non, très honnêtement, après, même dans le domaine de l'automobile, je ne sais pas s'il y a un bac pro spécialisé vente automobile. Mais... Il me semble que la vente automobile a créé sa filière de formation spéciale, je ne suis pas certain. Ce que je peux dire, c'est qu'on peut très bien aller sur le marché du travail avec un bac pro aujourd'hui. Ça dépend bien sûr de la taille de l'entreprise et des ambitions d'entreprise. Mais aujourd'hui, on pousse à aller vers les diplômes. Tout le monde doit avoir son bac, etc.
Mais il y a des gens qui ne peuvent pas forcément y accéder, mais ce n'est pas pour ça qu'ils n'ont pas de travail derrière. On le voit bien, il y a des gens qui se travaillent, qui sont directeurs aujourd'hui, qui n'ont pas fait énormément d'études, donc ça fonctionne quand même. Donc c'est une question de qualité d'homme aussi. Hein. Maintenant, il faut regarder au cas par cas. Et la fonction commerciale, c'est une fonction assez universelle en fait. Hein. Sauf si on est vraiment commercial de nature, mais ça, on ne sait pas toujours. Mais c'est quelqu'un qui a envie d'y aller. Normalement, bien sûr, il y a des efforts à fournir nécessaires. Hein. Il faut vraiment travailler. C'est le respect, quoi. Si l'envie d'y aller, c'est le respect. D'autres questions? Je rajouterais juste par rapport à ça, parce que j'ai bouquiné en même temps que je voulais vous parler. Voilà. Les bacs pro au niveau du commerce peuvent notamment se faire en alternance. Donc, s'il y a une envie de faire de la vente dans le métier de l'automobile, je pense qu'un bac pro vente sur Lyon en alternance dans une société d'automobile comme Delorme ou autre, ça peut être un bon premier pas pour déjà au moins pendant un an ou deux voir si le métier plaît, si le cursus plaît. Moi, je reviens sur ça et sur le BTS. Le BTS, votre question de tout à l'heure, aussi, il y a forcément les BTS NUC, les DUT Tech de Co, qui sont des filières assez classiques. Après, on a les grandes écoles de commerce. Moi, à l'inverse, j'ai fait un BTS qui n'était pas du tout dans le métier de la vente. J'ai découvert ensuite ma passion un peu pour cette vente que j'ai vraiment, on va dire, peaufinée et expérimentée pendant mon Master 2. Je pense que nos premières années d'études sont vraiment là pour tester des métiers, parce qu'on n'a pas de grands enjeux locaux dans un job en CDI. On peut se permettre de changer d'entreprise tous les ans, ce qu'on ne peut peut-être pas forcément se permettre plus tard. On peut se permettre de tester des entreprises et faire des erreurs, parce qu'on est là pour apprendre. Moi, ça a été, c'est une préconisation que je me suis auto-appliquée, donc ça ne regarde que moi, mais je vous la partage. C'est que j'ai préféré changer régulièrement de boîte, donc je suis passé par le grand groupe dans l'industrie, les ressources humaines, la SS2I, dans trois métiers différents, le concepteur-producteur bureau d'études, le chargé de recrutement sur les métiers de l'industrie et le technico-commercial. Mais je suis arrivé à la fin de ces années en sachant beaucoup mieux là où je voulais aller, là où je voulais pas aller, ce que je voulais faire comme métier, ce que je voulais pas faire. Alors, c'est sûr que l'alternance le favorise, mais comme Sophie l'a très bien dit, il faut avoir envie aussi de passer le cap et d'aller travailler dans une entreprise, mais c'est sûr que c'est hyper formateur. Par contre, je pense qu'il faut, se rassurer un peu sur le fait que c'est pas parce que je vais partir en bac pro commerce ou en BTS NUC que derrière, je vais faire forcément de la vente, forcément dans la première boîte dans laquelle j'ai bossé, qui était l'automobile. Il y a des revirements de carrière à tout moment, donc il faut vraiment pas avoir peur de ça. Au contraire, je pense qu'il faut aller jouer le risque et la carte du terrain en disant je vais aller tester des métiers, je vais aller tester des expériences dans des domaines et dans des secteurs d'activité qui me plaisent aujourd'hui. Ça peut être le secteur de l'automobile, de la cosmétique, du jeu vidéo, du sport, n'importe quoi. Je vais chercher un domaine où déjà à la base j'ai un peu d'affinité avec ce secteur-là et où je vais potentiellement m'y plaire. Et ensuite, je vais tester des métiers et avec les études, mon choix va s'affiner petit à petit et je vais réussir à trouver la route qui me correspond mieux. Et puis, Manuel l'a dit tout à l'heure, les métiers de la vente font que un bon vendeur qui n'a pas le bon diplôme, mais qui est bon vendeur, un bon vendeur qui commence un BTS dans une entreprise, même s'il n'a pas son master et qu'il est très bon vendeur, il pourra accéder à des postes de vendeurs qui ont ce niveau-là. Un bon technicien, avant qu'il atteigne le niveau d'un bon ingénieur, c'est quand même plus compliqué. Donc les métiers de la vente permettent aussi une progression dans l'entreprise qui est assez importante. Et à notre place, c'est que quand on a un très bon vendeur dans une entreprise, on fait juste un peu tout pour le garder. Un très bon ingénieur, ça se retrouve beaucoup plus facilement qu'un très très bon vendeur. Je dirais juste aussi pour vous informer, comme je ne sais pas si tout le monde est au courant, mais la CCI qui nous accueille aujourd'hui et qui organise cette journée a quand même une école dédiée au métier du commerce qui s'appelle EQIA, qui va inaugurer ses nouveaux locaux en face de l'EM Lyon à Écully en septembre de l'année prochaine, qui est vraiment une école entièrement dédiée au commerce et sur laquelle notre association, les dirigeants commerciaux de France, on travaille activement avec eux pour s'assurer que
l'intégralité des intervenants, du contenu et des cours qu'ils soient donnés soit en parfaite corrélation avec les attentes du marché, avec les attentes des entreprises, avec les attentes des futurs recruteurs de ces jeunes. L'école EPIA, vous avez d'autres écoles comme l'IFAD Lyon, l'IDRAC, qui peuvent prendre à partir du bac plus 2 sur les métiers de la vente, mais la CCI a déjà quand même une école qui s'appelle EPIA. Je voulais juste avoir vos inquiétudes parce que j'ai senti tout à l'heure quand j'étais en bas là, sur notre espace fonction commerciale qu'il y avait des gens inquiets de savoir si vous allez pouvoir le faire. On a des vendeurs, ils fonctionnent bien. C'est pas, ils ne sont pas torturés, on ne les souhaite pas. Enfin, ils ont un métier qui va, ça se fait. Ils le font bien, comme d'autres sont boulangers, comme d'autres sont. Dans une usine ou dans un bureau d'études, voilà, c'est tout. Après, il y a bien sûr des nivellements, c'est-à-dire le bon vendeur, il va sortir du lot, bah, peut-être qu'il sera chef des ventes ou directeur commercial, il va prendre une place, hein, voilà, c'est ça. Bon, mais franchement, le métier, il est quand même tellement ouvert que, à part vraiment si on ne travaille pas assez, si on ne fait pas l'effort, oui, c'est sûr, on peut rater sa mission. Mais normalement, quelqu'un qui a envie de vendre, qui aime la relation client, qui utilise les bons outils comme il faut, qui fait son travail normalement, il fait son année. Hein, on n'a pas d'objectif inatteignable non plus, sinon on n'aura pas de commerciaux, on ne travaillera plus pour nous. Hein. Donc pas d'inquiétude par rapport à ça, ça se fait aussi normalement, mais comme dans tous les métiers. Donc on doit clôturer juste, histoire de vérifier si nous avons atteint notre objectif, dans la salle, qui aura envie de venir maintenant dans les métiers de la vente. Combien il y en a en 1, 2, 3, 4, 5, 6 convaincus. Ben écoutez, on est ravis, on vous souhaite une bonne continuation dans cette ligne d'orientation et puis pour les futurs commerciaux, bienvenue.